les deux, hein, en un petit rapport d'homme à homme. Moi, je vote pour. Bah d'accord, parfait, 20h. Hein. Bien sûr, je mettrai les deux sous que tu m'as offert, coquidou. Ouais, moi aussi. Mec, tu peux pas tout prendre sur toi, quoi. Faut que tu te protèges aussi. Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. Tonnerre, vous pouvez passer dans mon bureau? Oui, quand ça? Tout de suite. Oh, on est mercredi. Yeah. Ça va, les filles? Pour la vie, pour que rien ne nous sépare, nous écrivons notre histoire. Pour la vie, parce que rien ne nous appartient, nous avançons demain. Pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. On est mercredi, c'est mercredi, on est mercredi. Eh oui, on est mercredi. On est mercredi. On est mercredi. Mercredi, on est mercredi. Oh, on est mercredi. Yeah, ça va les filles. On est mercredi. Ça va les filles, hein? Bah ouais, comme un mercredi. C'est mercredi. Ah bah attends, est-ce que t'es au courant que c'est pas un mercredi, mais c'est THE mercredi? Hein? C'est le dernier mercredi au bahut, hein? Dans deux jours, c'est fini? C'est la qui? Fini l'internat? Oh bah c'est dingue, de deux jours, quoi. Moi, j'arrive pas encore à réaliser. Ils vont organiser une fête? Je sais pas, je suis pas au courant. C'est bon, ça? Y'a rien qui est prévu, là. Mais c'est hyper tant sucette ici, là, c'est quoi ce bordel? Hein? Mais attendez, hey, vous savez quoi? On va la faire, cette petite fiesta. T'es marrant, mais où ça? Dans le seul endroit digne de ce nom. Dans une salle de musique. Ouais. Et, avec cerise sur le gâteau, un petit medley des Five Only. Alors, c'est pas la classe? Moi, je vote pour. Ouais, moi aussi. On est mercredi. On est mercredi. On est mercredi. 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 On est mercredi. Quelle journée? Mercredi. Vendredi soir à la salle de musique, soirée spéciale 3B. Soirée à la salle de musique, venez nombreux. Soir. Bye bye le bahut. Spéciale 3B. Bye bye le bahut. Venez nombreux. Soirée spéciale 3B. Bye bye le bahut. À la salle de musique. Mademoiselle. Tonnerre, qu'est-ce que vous faites là? Ça vous a pas suffi là? Vous voulez encore vous faire virer? Non, mais cette fois-ci j'ai l'accord de la directrice. J'ai quoi toi? Je vais passer peut-être là. Hein? Les internes aussi cool que nous, vous allez en trouver. Bon, on s'entend peut-être, mais vous allez en trouver. Hein? Ce qui met donc l'avantage, c'est tous les deux, hein, en un petit rapport d'homme à homme, et pas CPE élève. Hein? Hein? J'ai rien compris, Stéphane. Mercredi! Mercredi! Mais j'ai jamais vu comme ça le bobard, le moral dans les chaussettes et tout. Genre, je vais finir par m'inquiéter pour lui, moi. Ah bah moi, c'est plutôt Mathieu qui m'inquiète, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a avec Mathieu? Bah, t'as pas remarqué, depuis quelques temps, il est pas dans son assiette. Ouais, Morgane a raison, regarde, il est en retard à la répète, ça lui ressemble pas du tout. Ça arrive à tout le monde, hein, même au meilleur. La preuve en est. Il n'y a pas que ça, Sam, il y a aussi le fait qu'il arrête pas de faire des bourdes, il oublie tout. L'autre jour, il a posé un lapin, Morgane. Ouais, il s'est aussi gouré avec Amel. Il lui a emporté deux fois les mêmes cours. C'est pas grave, il est un peu fatigué, c'est tout. Ça, c'est la solidarité masculine. Hein. Je suis désolé, j'avais pas vu l'heure. Excuse-moi. Mon patron. Allô? Oui, monsieur Ferreira. Ah, c'était ce matin. Je suis désolé, j'ai complètement oublié. Non, je vous assure, ça se reproduira plus. D'accord. Merci, encore désolé. Au revoir. Bon, on s'y met là? Je vous ai fait déjà perdre assez de temps comme ça. On en était où? Pour la vie, c'est ça? Attends, mon gars, ça fait déjà deux séances qu'on travaille sur Tu t'en vas. Ah ouais? Ça, je perds la boule, moi, en ce moment, mais un truc. Ah, j'espère que tu te souviens toujours que t'es le guitariste du groupe. De quoi? Ah, je déconne. Allez, vas-y. Allez, là! Oui, j'arrive. Point d'ici et pour ailleurs, tu t'en vas.
Parlez vite fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va toi en ce moment? Bah ouais. Je sais pas, depuis quelques temps j'ai l'impression que t'es... Enfin, comment dire, que t'es un peu à l'ouest quoi. Tu sais, s'il y a un truc qui va pas, tu peux m'en parler. Ouais, je sais, en ce moment j'assure pas trop. Mais avec l'accident d'Amel, les photocopies, le taf, tout ça, moi je suis... Ouais, je comprends. Ouais. En plus, ces derniers temps, Amel, elle fait quasiment pas de progrès. Et psychologiquement, c'est super dur. Mec, tu peux pas tout prendre sur toi, quoi. Faut que tu te protèges aussi. Je suis son mec. C'est à moi de faire ça. Bon. En tout cas, si t'as besoin d'aide, nous, on est là, OK? Hein? Ouais. Merci. C'est cool. Allez, t'inquiète, ça va aller. Arrête, là. Merci, mec. Je vais te prendre la tête. Tu sais, je pensais à un truc. Les photocopies, peut-être que je pourrais lui amener directement chez elle. Comme ça, ça le déchargera un peu. Ouais, non, je t'arrête tout de suite, là, tu vois. Tu les culpabilises, ils se sont investis une sorte de mission. Pour l'instant, je crois pas qu'ils soient prêts à accepter notre aide. Stanner, vous pouvez passer dans mon bureau? Oui, quand ça? Tout de suite, maintenant. Là. Ah, ok. Et, écoutez, moi, je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais j'ai rien fait aujourd'hui pour une fois. Calmez-vous, Stanner. C'est pas l'élève que j'ai convoqué. C'est l'homme. Quoi? Vous avez raison. Les rapports CPE, élèves, tout ça, c'est complètement obsolète. Et puis, de toutes les façons, dans deux jours, c'est terminé, alors... Il vaut mieux commencer maintenant. Voilà, Stellaire. Je sais que vous avez beaucoup de succès avec les filles. Alors... conseil. De moi? Ben oui, de vous, personne d'autre là dans la pièce. Attendez, vous. Enfin, tu veux que je te donne des conseils pour pécho la belette, c'est ça? C'est pour ça. Voilà. En fait, voilà. Tu admettras que je suis quand même. Tiens, hein? Beau gosse, tu vois, les cheveux, là, tout ça. Bon, venons-en au fait, quoi. Voilà. Voilà. En fait, c'est que j'ai... dès qu'il y a une fille qui me plaît, je fais un blocage. Sentiment. Je bloque, tu vois. Rien qui sort. Et de surcroît, quand cette fille travaille avec moi. Ah non. Là, si tu veux que je te donne des conseils pour la directrice, hein, laisse tomber. Ah, mais pas du tout, Stellaire, pas du tout. Ah non, c'est pas ça du tout, non. C'est pas ça du tout. C'est pour... monsieur, voilà. Alors, je vais vous dire. C'est alors... Non, mais c'est... Monsieur, alors, c'est... c'est Rosalie. Voilà. C'est, hein? Madame Gremser. Voilà, j'ai flashé sur elle, Stellaire. J'arrive pas à dormir et puis elle s'en va en 3 jours. Elle va partir en vacances, elle va attraper un mec qui travaille dans une baraque à fric, le truc horrible, quoi. Non, mais c'est bon, ça, 3 jours, c'est énorme, hein. On peut refaire le monde en 3 jours, hein. Vous croyez, Stellaire? Ouais, il suffit juste de pas se démotiver, il faut que... Faut que tu sois... Direct. Voilà, direct. Tu vois? Sûr de toi, tu vois? Alors, expliquez-moi combien il faut être, Stellaire, expliquez-moi. Comment t'expliquer ça, je... Toi, par exemple, quand tu fais Paris-Marseille, hein? Oui, Paris-Marseille. Tu passes pas par la Bretagne. Ah non. Et ben voilà. Mais des fois, je passe pour. Enfin, non, d'accord. Oui, okay. Voilà, bah, là, c'est Paris. D'accord. Hein? Ah, très bien, Marseille. J'ai la famille là-bas, donc très bien, ouais, super. Et ben voilà, direct. Ok. Ouais. Et là, ils aiment ça, les belettes? Elles aiment pas ça. Elles adorent. Hein? C'est bon? Merci, Stellaire. Et hop. Hein? Marseille! Mm.
Oui, Amel. Non, non, tu me déranges pas du tout, là. Tes clés, non? Je te les ai laissées hier soir. Oui, j'en suis sûr. Ouais, si tu veux, je vérifie. Tu vois, regarde, j'ai des clés. Et c'est les tiennes. Ça va? Ouais, super, et toi? Paris-Marseille. Salut. Ouais, ouais, ça va super. Salut. Ouais. Oh, bah, ça va super. Salut. Ça va? Ouais, ça va super, et toi? Ouais, ouais. Salut. Tu veux bien? Ouais, ça va super. Je vais arriver, mon pote. Attends, tu vas arriver. Philosophie, mais bien sûr. Socrate. Bah, bien entendu, je connais, ouais, Socrate, genre Platini. Et tout ça, je les connais bien. Rosalie, je te trouve très belle. Tu es formidable. J'adore ta chevelure. J'adore tout de toi. On dîne ensemble ce soir. T'es un blagueur, toi. Une seconde de plus et j'ai cru que t'étais sérieux. C'est sérieux? Ah, d'accord. Bah écoute, en fait, ça va vraiment pas être possible. Bon, t'es déjà prise? C'est-à-dire, on est jeudi, là, non? Peut-être. Bah, le jeudi, je peux pas, j'ai mon cours de yoga. Je peux pas le rater, c'est une question d'équilibre intérieur. Tu comprends? Bon ben on se voit à la cantine. C'est pas en restant tout seul dans votre coin que vous allez y arriver. Hein. Direct, je vous ai dit. Faites direct. C'est fait. Comment ça c'est fait? J'étais lui parler. Et alors? Alors je l'ai invité à dîner. Et elle a dit oui ou elle a dit non? Elle a dit non. Bah, très bien. Comment ça très bien? C'est une règle de base. Quand une fille dit non, ça veut pas forcément dire non. Je comprends rien. Oh là là. Elle n'est même pas ses fondamentaux. C'est plus compliqué que prévu. À moins que... Moins que? Ouais. Il me faut un avis de pro, au féminin. Zoé et Morgane. Même pas en rêve. Vous allez pas rameuter tout l'internat, je vous préviens, hein, Stanner. Pas comme tu voudras, mais t'auras pas Rosalie. Vous voulez tout connaître de la psychologie féminine, c'est ça? Oui. Bon, alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fille, par principe, dit toujours non. Ensuite, elle réfléchit, mais elle commence toujours par dire non. Non! Ah si! Il faut que le mec soit insistant, parce que ça nous valorise, mais pas trop, parce qu'après, il franchit la limite et là, ça devient lourd. Et puis, la devise qu'il faut toujours garder en tête, c'est « suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis ». Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, regarde, allez, suis-moi. Mais ils voilà, sont là. Voilà, c'est ça le problème, vous êtes trop carré. Trop carré. Laissez tomber les notes, soyez spontané un peu. Je vais laisser tomber non. Les notes. Non, c'est pas ça. Elle a raison. Montrez-lui un peu votre fantaisie à Rosalie. Faites-la rêver. Tu vois, vous avez bien une passion, non? Ah, une passion, ouais, les films de guerre. Les films de guerre. On va oublier la passion. On va employer une autre méthode, beaucoup plus radicale, mais qui a fait ses preuves. Hein. La jalousie. Jalousie. Oui, il faut la rendre jalouse un peu. Et rien de tel pour ça que l'existence d'une concurrente. Mais elle n'a pas de concurrente? Si, si, il y en a une. C'est qui cette Anna qui tourne autour de Bobor depuis quelque temps? Je sais pas, mais c'est vraiment une bombe, hein. Oh la vache, le rentre dedans qu'elle lui fait. Moi, je sais pas comment il fait pour résister, hein. Bah, à mon avis, il va pas résister bien longtemps, hein. Bon, je dois y aller. Fermez la porte derrière vous. Bien sûr, madame. Yes! Ça y est, elle est sortie. Phase 2 du plan. Ah, Rosalie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va,
Justement, je voulais te voir pour régler un problème de planning avec oui, toi. Oui, je t'écoute. C'est pour quelle classe? C'est pour les terminales E, voilà. Les terminales E, t'es sûr? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Attends, excuse-moi. Allô? Ouais, ici c'est Stéphanie, l'amoureuse transie. Ah, Stéphanie. Comment ça va? On se voit toujours demain soir, mon lapinou. Mmh. Ah bah ouais, demain soir, ouais. Avec ton carnet d'adresse, tu connais forcément un petit resto romantique, hein? Un resto romantique. Orchidée sauvage. Sauvage. Tu vas adorer. Bon, on y va à l'heure, hein? Et je mettrai les deux sous que tu m'as offert, coquidou. C'est parfait, 20h. Je t'embrasse. Salut Stéphanie. Excuse-moi, c'est... Non, c'est pas grave. C'était une vieille copine quand j'habitais... Donc tu disais pour le planning, les terminales E, tu sais que c'est pas moi qui les ai. Ah, c'est pas toi qui... Non, c'est Martine. D'ailleurs, tu peux y aller, elle est sûrement encore dans sa classe. Martine, non. On se voit à la cantine. Copine, hein, c'est pas... Faut pas que tu sois jalouse. Y'a quoi à la cantine? Ah, Mathieu, on t'attendait. Monsieur Ferreira, madame la directrice. Je crois que tu nous dois une petite explication. À propos de quoi? À propos de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu fais pas la différence entre engrais et désherbant, mon vieux. Sachez, jeune homme, que vous avez réussi à détruire tous les massifs de mon établissement. Je suis vraiment désolé, je vous assure, ça n'arrivera plus. Ah, ça, effectivement. J'ai bien peur que ça ne vous arrive plus. Viens par là. Je suis désolé, patron. En ce moment, je suis un petit peu fatigué. Je t'avais mis en garde, Mathieu. Et là, c'est la fois de trop. Désolé. Je suis obligé de te virer. De me dire qu'on reverra plus jamais cette chambre. Ouais, moi aussi. J'ai tellement de bons souvenirs. Mmh. Tu te rends compte, peut-être que l'année prochaine, on sera à la fac. Je dérange? Non. Vas-y, Sam, entre. Je suis dégoûté, là. Vous avez vu dans quel état on a laissé le bobard? Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Bah, c'est simple. On n'a qu'à inviter Rosalie au pot et puis on fera tout pour valoriser Bobor. Ouais, mais c'est quoi ton idée? Une projection privée d'un film de guerre? Attends. Moi, je l'ai l'idée. Je me souviens que Rose m'avait dit que son cousin, enfin Bobor, faisait de la guitare. Et apparemment, il en joue pas mal. Hein. Arrête. Attends, Bobor, il a été zikos? Ouais. Quand même qu'il avait un groupe. Moi? Oh la merde. Là, on a un petit problème, là. Quoi? Mathieu, il s'est fait virer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait une bourde. Une de plus. J'ai ruiné tous les massifs du lycée. Attends, ils n'ont pas le droit de te virer pour ça. En plus, je sais pas, tu t'es défoncé toute l'année. Il a raison. C'est gentil de vous inquiéter pour moi, mais j'aurais dû faire plus attention, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais essayer de trouver du boulot, quoi. Mais avant, j'aimerais bien penser à la tournée et puis m'occuper un peu d'Amel, quoi. Y'a pas un petit pot qui nous attend, là? Bon, petite seconde, là, je vais juste finir ça, ok? Ok. Bon, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes chauds ce soir? D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux. Hein. On croyait pas que ça arriverait un jour, mais c'est bien vrai. C'est déjà la fin. Donc pour fêter ça dignement, nous vous avons réservé une petite surprise. Ce soir, nous allons jouer avec un invité de marque. Oh.
Que dis-je, que dis-je? Une légende vivante. Le roi de la gratte, j'ai nommé Alexandre Gagniel. Bah c'est quand vous voulez. C'est parti. Je ne savais pas que tu jouais comme ça. Normalement, je casse la guitare, mais comme c'est le matériel de l'établissement, donc j'ai... Non, mais vraiment, tu es quelqu'un de surprenant. Et je trouve que les élèves ont de la chance de t'avoir. Merci, on ne m'a jamais dit ça. On t'a déjà dit qu'on avait envie de dîner avec toi. Donc, parce que là, j'ai un petit creux, je me suis dit qu'on pouvait peut-être aller au resto. Toi et moi. Ah oui? Ben, je sais pas, parce que ce soir, j'ai badminton ce soir. Ah. Hey. Eh ben dis donc, si on rate le bac, au moins on pourra monter une agence matrimoniale. Franchement, sur ce coup-là, pas mal. Hein. On a été fort. Hein. Ouais, c'était pas gagné d'avance. Hein. On peut gagner d'avance. C'est...
C'est pas moi. C'est pas moi, c'est vous. Oh.